Mettez le four à 180 degrés et laissez cuire 35 minutes. Merci, Karen. Mais... C'est ma recette de lasagne mexicaine. Super. On n'ose pas imaginer ce que vous vivez. C'est comme si Jeff se faisait renverser par une voiture et mourait de façon soudaine et violente. Ça fait ça. Bien, ne vous pressez pas pour me ça rendre marche. Le plat. Bienvenue chez les Amis du Paradis. Nous avons de nouvelles têtes aujourd'hui. Je m'appelle Judy. Jen. J'espère que vous trouverez pas ça bizarre. Je peux vous prendre dans les bras? Ça va pas, non? D'accord. J'ai perdu mon fiancé il y a 8 semaines. C'est arrivé très vite. Depuis que Ted est mort, je dors plus. J'y arrive pas. Jen, je serai réveillée toute la nuit. Si t'as envie d'appeler, on pourra ne pas dormir ensemble. Allô? Tu l'as reçu? C'est lui? Non, c'est mon autre mari. Ah, oh, t'en as un autre? Tout va bien alors? T'es couché? Oui. T'es habillée comment? Je porte un pantalon de survêt. Dis-le plus lentement. Quoi? T'es vraiment bizarre, Judy. Ça t'arrive souvent de faire ça? Chaque fois que je vois un pare-choc défoncé, je me dis qu'il a pu percuter quelqu'un. Ça doit pas être facile d'être dans ta grande maison sans Steve. J'ai une maison d'hôte si tu veux. On se verra tous les jours. Les garçons, je vous présente Judy. Salut. Papa est là! Il pense que le petit oiseau est son père décédé. Peut-être que c'est lui. D'accord. C'est trop bizarre pour moi que tu sois là. Non mais, qu'est-ce qu'elle fout? Tu sais même pas qui elle est. C'est peut-être une psychopathe? On vient pour Judy Hale. Que voulez-vous à Judy? Je dirais que partout où Judy passe, c'est le chaos. C'est un jeu que tu joues avec moi et avec tous les autres? Il y a encore tellement de choses que tu ignores. Le chagrin peut tous nous rendre malades. Je vous connais. Vous êtes quelqu'un de bien. Cinglé ou pas. Vous avez une criminelle dans votre maison. Judy est la seule qui a été là pour moi, qui ne me donne pas l'impression d'être en échec dans tous les domaines. Me fait le tigre au cou ! On a une veuve en colère qui joue les chiens de garde. Putain. Oh, qu'est-ce que je t'aime, toi. Tu me manques, mon amour. Je voulais te dire que... Ok, génial, je tentais un truc, mais va te faire foutre.